Coïncidence encore, Jacky Collin effectue son entrée en jeu en deuxième période. Hélas pour lui et surtout pour l'Olympique lyonnais, c'est la mi-temps de tous les dangers. En 25 minutes, Lyon va encaisser 4 buts. Sur la première poussée d'Oubiste, McCarthy concède un pénalty, Hadzi Bejic le concrétise, première victoire de réalisme. Deuxième but, 10 minutes plus tard, Oudjani marque de la tête. Ce qui se passe ensuite relève de l'anecdote. Que l'on passe de 2 à 4 à 0 n'a pas vraiment d'importance au classement. Et puis comment peut-on incriminer un gardien lyonnais réduit à jouer les moulins à vent sur le troisième but? Un modèle de la technique du contre avec Carrasco en relais et Thomas à la conclusion. Idem ou presque sur le quatrième but où la défense va jouer les abonnés absents. Malgré deux leçons à Gerland, l'Olympique lyonnais occupe la 9e place du classement. Samedi prochain, déplacement à Montpellier, avec ou contre Daniel Xuereb, la question est pour Raymond Domenech. C'est une piste qu'on a suivie un moment, on en a suivi d'autres, et puis il y en a encore d'autres.